Eh bien, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un tutoriel. Donc, c'est la première fois sur ma chaîne que je fais un tuto, mais comme ça, pas sur les écrans, téléphone et tout. Par contre, c'est mon chef. Ça bouge pas avec ça. Pas bien, ça tique. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une écharpe pour Pitch. Excusez-moi, donc vous aurez besoin de ça, d'une veste, du barbie que vous n'utilisez plus évidemment. Vous allez juste prendre le haut en fait. Si vous n'avez pas le haut, vous prenez un petit bout comme ça. Voilà, donc moi je vais prendre le haut, donc là c'est parfait. Voilà, on met ça. Dans Pitch Up évidemment. Je fais ça que non. Et de un truc aussi de bourré que vous n'utilisez plus. Donc ça, c'est un Monster High. J'adore, il fait mal à tout. Voilà, donc vous aurez besoin de ce bidule. Donc là, elle va mettre sa veste. Est-ce que ça ne sera pas fonctionner? Excusez-moi, c'est ma mère qui m'a appelé parce que Shadow, il a griffé ma mère dans le dos et saigne. Voilà. Donc, une de ces deux, comme ça, voilà. Hop, d'un ciseau que je ne sais pas où j'ai foutu. Je crois que je l'ai retrouvé. Et. Comme d'habitude. Alors, un petit bout. Ah, moi, c'est. Ok, on va pouvoir commencer le tuto. Donc voici, on va commencer. Donc déjà, vous allez prendre votre veste et votre ciseau. Et si vous avez la même que moi, ben en fait, en haut, là, vous coupez ça. Donc, je vais couper. En fait, j'arrive pas à couper devant la caméra, donc je vais juste couper comme ça. Je vais juste couper ça là. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, évidemment, vous l'avez vu que c'est trop grand pour un ketchup. Donc, on va couper un peu. Moi je vais couper la moitié. Là. Voilà, donc je vais couper la moitié dans la prendre celui-là. Et en fait, on va juste le mettre comme ça. Et voilà. Voilà. C'est pas quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y a des trucs. Donc ensuite, vous allez prendre ça et votre ciseau et vous allez couper un petit morceau de ça, donc un petit morceau, donc juste ça là, hop, juste ça, et de l'autre côté ici là c'est pareil, vous coupez juste ça, un petit truc. Voilà, j'ai les deux bouts. Hop, donc on va couper un tout petit. Donc attendez, vous en faites pas, je vais vous montrer. Juste que c'est un peu dur à couper. Vous coupez juste comme ça un petit bout. Voilà, j'ai mis deux petits bouts. Donc celui-là, c'est celui qui est doux. Et là, c'est celui qui n'est pas doux. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre votre morceau et de la pâte à fixe. Et vous allez prendre un tout petit bout de pâte à fixe, comme ça. Et vous allez le coller derrière. Excusez-moi pour le cri, c'est normal. Hop, prenez. Et hop, pour le deuxième. Hop, et après on va coller ici. Hop, voilà, ça tient. Normalement, si vous avez bien collé, ça tient. Hop, attends, celui-là, je vais rajouter un peu de pâte à fixe. Voilà. Et il colle à le bout. Tu vois. Normalement, ça tient. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous
vous allez mettre à votre ketchup. Ah. Donc on met au ketchup et on va coller les deux scratch. Parce que avec la caméra j'y arrive pas. Alors attendez, je vais le coller ensuite tout à l'heure. Donc voilà, excusez-moi parce qu'en même temps je tiens la caméra, donc c'est pour ça, parce qu'elle peut pas tenir trop longtemps de deux. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé et qu'il vous sera serviable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partage la vidéo et abonne-toi. Bisous.